Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 ou de France pour Dimanche en politique pour cette première émission de la saison. Depuis bientôt 3 mois, vous le savez, les 577 députés ont examiné plusieurs projets de loi. Nous allons voir quel visage à la nouvelle Assemblée nationale, qui des Insoumis ou du RN se dispute la place de premier parti d'opposition, car la majorité présidentielle est fragilisée pour cette nouvelle mandature car elle ne dispose plus de la majorité absolue. Nous allons voir également qui a voté et qui s'est abstenu sur les premiers projets de loi comme le pouvoir d'achat, l'énergie. Enfin, alors que la bataille pour le budget ne fait que commencer, quelle stratégie va adopter l'opposition lors de la rentrée parlementaire qui approche? Face aux oppositions, la majorité est-elle encore maître du jeu à l'Assemblée nationale? On en débat avec nos 3 invités ici même. Donc, Violette Spielbout, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée Renaissance du Nord. Renaissance, c'est le nouveau nom, donc anciennement de La République en Marche. Hugo Bernal ici, face à vous, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député LFI NUPES du département du Nord. Et puis, à vos côtés, Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour. Député RN du département de la Somme. Et on commence ce débat avec ce qui préoccupe le plus les Français, le pouvoir d'achat, comme annoncé par le chef de l'État réélu. La loi donc portant des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a été votée fin juillet. Jean-Philippe Tanguy, pour le RN, si vous êtes dans l'opposition, pourquoi votre parti, le RN, donc, a voté majoritairement pour ce projet de loi, 87 sur 89 députés. Oui, c'est que dans ce projet de loi, il n'y avait pas de lanterne rouge, il n'y avait pas de mesure qui nous empêchait de le voter. La grande mesure de ce projet de loi, c'était, Madame Spielbout pourra y revenir, la prime Macron. S'il y a des salariés qui ont la prime Macron, tant mieux pour eux, on n'avait pas de raison de les priver de cette prime. Mais ce n'est pas parce que nous avons voté cette mesure dans un esprit constructif que nous pensons que ce projet de loi suffit. C'est un soutien à La République En Marche? Non, c'est pas un soutien à La République En Marche. À la Renaissance. Non, vous savez, je pense que on le voit encore sur le terrain. Les Français n'attendent pas de nous une opposition stérile, une opposition systématique. Ils veulent qu'on s'oppose quand ça mérite d'être opposé, qu'on soutienne les mesures qui ne méritent pas d'être condamnées et qu'on fasse surtout des propositions alternatives. Moi, ce que je regrette dans les discussions qu'on a eues cet été, c'est que les oppositions, même quand les mesures étaient de bon sens. Par exemple, on avait proposé une augmentation de 10% des salaires et en échange de cette augmentation de salaire, il n'y avait pas de charge sur cette augmentation. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, la majorité ne l'a pas soutenue. Donc nous, quand ça va dans le bon sens, on soutient. Quand ça va pas dans le bon sens, on condamne. Et surtout, on propose mieux car, comme vous l'avez dit vous-même, dans cette rentrée, il faut vraiment encore accélérer les mesures. On va poser la question à Ben Spielbout. Donc, finalement, est-ce que le cordon ombilical entre le RN et la majorité présidentielle est coupé? Le fait que le RN vote votre projet de loi, donc, eh bien, est-ce que ça signifie qu'il y a comme une alliance, une adhésion? Non, je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé dans votre introduction, on est dans une situation tout à fait inédite, une majorité relative. La majorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale travaille et compose avec l'ensemble de ses oppositions, texte par texte, article par article. Donc nous avons un socle qui est issu du projet du président de la République. Nous avons un socle, celui que nous avons défendu sur nos territoires, dans ma circonscription, dans les circonscriptions. Chacun a défendu son projet. Et aujourd'hui, ce socle, il doit être modifié, amendé, en fonction aussi de l'avis des oppositions. Donc on a réussi, par exemple, dans ce mois de juillet, à voter l'ensemble de ces 3 lois, le pouvoir d'achat, le projet de loi de finances rectificatives et la loi sanitaire. Et surtout, on a réussi avec de vraies avancées concrètes pour les Français dont ils voient la couleur aujourd'hui. C'est par exemple pour la taxe audiovisuelle la suppression de 138 euros pour chaque foyer. Et ça s'est fait grâce à un compromis avec un nouveau financement qui viendra d'une fraction de TVA ou encore la remise carburant qui depuis quelques jours, en septembre est très concrète, 1,60 €. Alors on va les détailler, hein, donc ces mesures, on va donner la parole donc, à Hugo Bernal ici. Donc vous avez voté vous contre ce projet de loi donc, du pouvoir d'achat alors que les Français réclament plus de pouvoir d'achat pour assurer chaque jour leur quotidien, acheter, faire leurs courses et le reste. Oui, eh bien, nous avons voté contre parce que cette loi, elle entérine une baisse du pouvoir d'achat. Elle ralentit la baisse du pouvoir d'achat, mais elle l'entérine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure pour inverser la tendance et faire en sorte qu'il y ait une augmentation éventuellement, même pas du pouvoir d'achat, en fait, des moyens de vivre. Elle entérine, c'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que quand vous acceptez, par exemple, qu'un certain nombre de hausses
des minima sociaux ou la hausse des fonctionnaires ou la hausse des pensions soit inférieure au niveau de l'inflation estimée, ça veut dire que mécaniquement, les gens vont perdre de l'argent. C'est ça que ça veut dire concrètement. À partir du moment où votre curseur il est en dessous des 6% d'inflation, voire 7%, si ça continue comme ça, d'ici la fin de l'année, ça veut dire que vous êtes en train d'arnaquer les gens. Alors c'est mieux que si c'était pire. C'est sûr que c'est mieux que si c'était pire. Néanmoins, quand même, à la fin, vous avez une alliance qui s'est nouée, vous l'avez pointé dans, dans votre première question, entre le Rassemblement national et la Macronie, on l'a bien vu, et ils ont refusé le Rassemblement national. L'extrême droite a bien sûr évidemment refusé l'augmentation du SMIC. Ah, ça c'est trop pour eux. Ça, surtout pas, oh mon Dieu, augmenter les salaires. Ils ont refusé par exemple le gel des loyers. Donc on voit bien qu'il y a ici un petit jeu d'entraide mutuelle entre la Macronie et le Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, vous n'avez surtout pas touché au Grisby du capital. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Philippe Tanguy, pour le RN où vous n'avez pas voté l'augmentation du SMIC? Mais non, mais ce n'était pas dans le programme de ma... Je n'ai pas été élu sur l'augmentation du SMIC. J'ai été élu sur une augmentation des salaires de 10% jusqu'à 3 SMIC. Moi, je considère, contrairement à la France insoumise, qu'il n'y a pas que les personnes qui touchent le SMIC dont les salaires sont problématiques. Toutes les classes moyennes souffrent de l'inflation. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais augmenter seulement le SMIC, sachant qu'en plus, toutes les TPE-PME, tous les artisans commerçants de ma circonscription m'ont tous dit, sans exception, qu'ils n'avaient pas les moyens de payer cette augmentation du SMIC. Et c'est pour ça que nous, on veut baisser les dépenses contraintes. Et par exemple, vous n'avez pas voté notre proposition de baisser la TVA, alors qu'historiquement, la baisse de la TVA, c'est une priorité de la gauche. Alors c'est vous qui êtes sectaire. Moi, j'ai voté, M. Benalissi, vous le savez très bien, j'ai voté un certain nombre d'amendements de gauche quand ça allait dans le bon sens. On va voir un peu ce qu'en pensent les citoyens, donc avec ce micro-trottoir recueilli dans les rues d'Amiens. Avant d'aller plus loin, voyons ce qu'en pensent donc, les Amiénois. Dimanche en politique donne cette saison encore la parole aux citoyens, on les écoute. Savoir ce qu'ils comptent faire pour l'écologie, tout simplement. Qu'ils nous sortent nos SDF de la rue, qu'ils nous soient plus à notre écoute, et éventuellement qu'ils bougent, quoi. On n'est pas les seuls concernés, et pour l'instant, nous, on nous demande de faire des économies sur plein de choses, de faire attention sur plein de choses, mais eux, en contrepartie, ils ne font rien. Qu'est-ce qui va en être des impôts fonciers ? Puisque les taxes locales vont disparaître, donc peut-être que les impôts fonciers vont augmenter. Est-ce qu'on aura des réponses à ce niveau-là? Ensuite, le coût de l'énergie, exactement. Ouais. Faire une loi qui limite l'augmentation des produits. C'est-à-dire, il est interdit d'augmenter de 20 ou 30% des trucs comme ça. En France, c'est pas méchant, mais celui qui a de l'argent vit bien, celui qui n'en a pas, il vit mal. Alors ce monsieur, comme on l'entend, est un entrepreneur, un patron d'une PME dans le département de la Somme, d'entreprise de BTP. Alors les écarts se creusent, nous dit-il. Comment réduire ces fractures et ces inégalités, Vélez Pilote ? Ça c'est le grand sujet de mon engagement politique. Quand on fait de la politique aux côtés d'Emmanuel Macron, on est engagé pour l'égalité des chances, pour plus de justice sociale. Et quand monsieur parlait tout à l'heure du SMIC et de l'augmentation du SMIC, on voit que M. Bernalissi est encore, comme il l'est à l'Assemblée, dans la caricature, dans le show, parce que le SMIC, il a augmenté de 60 euros cette année, en 2022. Il a augmenté par des mesures... Dites-le, expliquez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de la démagogie. Vous arrêtez votre show comme vous faites à l'Assemblée, vous l'avez fait comme votre patron l'a fait à la braderie avec toute sa démonstration et la caricature. La politique, c'est complexe, c'est un travail responsable, donc on s'écoute, on se parle. On a augmenté le SMIC de 60 euros au 1er août, il a été augmenté, il y a une prime d'activité de 100 euros qui permet d'arriver à près de 1450 euros. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs le disent, si on augmentait de façon générale le SMIC, il faudrait à augmenter l'ensemble des salaires d'un seul coup, ce que ne peuvent pas se permettre les entreprises. Donc, quelle est la politique que nous menons avec Bruno Le Maire, avec la chef du gouvernement, Elisabeth Borne? Nous menons une politique de développement économique et d'innovation. Et il y a des résultats. Alors donc, on est un pays en croissance, on est le pays d'Europe qui contient le plus l'inflation, et vous parliez de 6% tout à l'heure. Eh bien oui, quand on augmente les retraites, puisque ce week-end, les retraités auront leur 4% d'augmentation, 40-50 euros selon la retraite, eh bien, il y a déjà eu une augmentation d'1,5%. C'est également le coût de la vie qui inquiète. On l'a entendu, cette proposition, si vous voulez bien, de ne pas dépasser un prix en fixant un plafond, un seuil. Est-ce un système que vous envisageriez, vous qui êtes au Parlement?
par exemple, oui. Vous, en fait, c'était un des points centraux de la campagne présidentielle défendue par Jean-Luc Mélenchon, le blocage des prix qui est déjà en vigueur en fait dans les départements des territoires d'outre-mer, avec le bouclier qualité-prix et les observatoires des prix, des marges et des revenus. Concrètement, vous avez les services de l'État qui vont regarder dans les entreprises quel est le taux de profit, le taux de marge qui est opéré. Et ensuite, il y a une discussion qui est faite pour établir un prix. Et le prix est fixé par la préfecture, prix qui ne peut pas être dépassé. On va aller en dessous, mais pas au-dessus. Et ça fonctionne. Pour l'énergie, par exemple, pour le gaz et l'électricité. On va y revenir pour l'énergie. Oui, sous la pression. Et c'est pas vraiment. Non, c'est pas un bouclier parce que le prix n'a pas été fixé. Ça a été une annulation d'une augmentation prévue. Et sur le SMIC. Non, mais j'aimerais dire une chose. C'est les contribuables qui paient. C'est-à-dire, le blocage des prix, c'est une chose. Là, le bouclier tarifaire, c'est quand même. Il faut le savoir, c'est les contribuables. Exactement. Mais je voudrais terminer sur le SMIC. Mais vous avez beau jeu de dire nous avons augmenté le SMIC. Vous n'avez pas le choix. Il est prévu une augmentation mécanique du SMIC avec l'inflation. Mécanique. Ce n'est pas Violet Spielbou et ses copains de la majorité qui l'ont fait. Oui, ce n'est pas de votre fait. Ce n'est pas de votre fait. Non, il n'y a pas d'augmentation du SMIC. Oui, il n'y a pas d'augmentation du SMIC au-delà de l'inflation parce que quand ça suit l'inflation, effectivement, vous ne vivez pas mieux. Vous ne vivez pas mieux. Surtout qu'en plus, l'inflation, elle est plus forte pour les plus bas revenus de ce pays, parce que ça porte particulièrement sur les dépenses. Vous parlez d'énergie, on va justement aborder cette seconde partie sur la thématique de l'énergie. Eh bien, c'est prévu parce que c'est une autre préoccupation, évidemment, des habitants des Hauts-de-France, en tout cas des Français. Donc, le coût de l'énergie et cette déclaration du chef de l'État qui a fait beaucoup parler, il demande un effort supplémentaire aux Français et la fin de ce qu'il déclare et de qualifie de l'abondance. Donc l'hiver approche, il va falloir se chauffer, le coût de l'énergie a déjà un impact sur l'économie, en tout cas dans les Hauts-de-France. L'entreprise Arc, qui a placé 1600 salariés au chômage partiel, Vermarine qui coupe le robinet pour les piscines comme pour celle de Roy dans le département de la Somme et FitzJames dans l'Oise. Alors la hausse du prix de l'énergie, quoi faire pour la stopper, Jean-Philippe Tanguy? Écoutez, il faut être très concret parce que les énergies sont très différentes. Pour la question de l'électricité, ça fait maintenant un an, puisque c'est en septembre 2021, que Marine Le Pen a demandé qu'on découple enfin les prix français des prix européens. Aujourd'hui, les Français paient des règles européennes stupides, inflationnistes, qui font que le prix de l'électricité française est indexé sur le prix du gaz qui est utilisé pour la production d'appoint. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prix français doit être et doit correspondre à la moyenne du coût de production français. Or, en France, on a le nucléaire, l'éolien, l'hydraulique, qui sont des ressources stables, avec un prix stable. Donc, il faut le découper. Je suis heureux que, visiblement, on a perdu un an, on atteigne cette solution. Violet Spielbou parlait donc de la mesure phare qui a été mise en place par le gouvernement, une baisse de 30 centimes du prix du carburant à la pompe jusqu'à la fin de l'année. C'est une bonne mesure, Hugo Parnelissi? Non, parce que c'est les Français qui payent. C'est les Français, c'est le budget de l'État qui paye, donc c'est les Français, c'est ce qu'on met dans le pot commun. C'est pourquoi il faut bloquer les prix. Quand vous fixez un prix, c'est bien celui qui produit et qui distribue la marchandise qui doit s'adapter et rogner sur ses marges. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on a regardé, 18 milliards de profits pour Total sur le premier trimestre 2022. 18 milliards, alors même qu'ils nous font des ristournes ici ou là, et ils ont beau jeu de le faire, puisque ça leur amène des clients supplémentaires et des profits supplémentaires. Quand j'entends Mme Spielbou tout à l'heure nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, que les patrons ne pourraient pas payer une augmentation générale des salaires, augmentation du SMIC et des salaires. C'est ça que vous demandez? Pas tous. PME, il y en a. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est pourquoi. En conséquence, nous avions proposé déjà pendant la campagne présidentielle qu'il y a un mécanisme de péréquation entre les très grandes entreprises et les petites. Allez jusqu'au bout, quelle est votre mesure phare si vous jugez. En attendant, les habitants des Hauts-de-France, lorsqu'ils vont à la pompe à essence et qu'ils voient le prix du litre diminuer, c'est plutôt un geste intéressant. La France insoumise, bloquer les prix. Exactement. Écoutez, malheureusement, elle n'est pas si magique que ça. Magique, Non mais monsieur Bernard, c'est intéressant parce qu'il faut quand même... Allez-y, parce que vous êtes opposé au blocage des prix, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, à La Réunion... Pas toujours profit. Mais pas du tout. Vous avez cité La Réunion. La Réunion, effectivement, c'est un blocage de prix sur des prix alimentaires, la volaille, c'est une liste arrêtée. Ce sont des produits qui sont fabriqués en France ou importés de métropole.
pétrole, ce qui permet de surveiller les marges. Malheureusement, on ne peut pas bloquer le prix du carburant en France, c'est que nous importons. Non, parce que c'est pas le même qu'un seul fournisseur. Parce que ça part de métropole, donc on peut le contrôler. Bref, ce que je voulais dire, c'est pas pareil. Allez jusqu'au bout pour laisser tout de même. Monsieur Barissi ne me laisse pas finir une phrase. Il dit des choses différentes pour embrouiller les Français. Terminer votre propos pour ensuite laisser Hugo Bernalici finir sa proposition. Mais moi, c'est mon métier, mais c'est pas grave. Il faut savoir, c'est que malheureusement, les Français le savent, nous importons le pétrole. Et donc, on ne peut pas bloquer un prix qui est fait sur les marchés mondiaux et internationaux. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on peut faire, c'est baisser la TVA de manière durable, de 20 à 5,5. Ça, on peut le faire. Parce qu'il y a une petite erreur, excusez-moi, dans ce que vous avez dit, c'est que la ristourne, elle est de 30 centimes pendant 2 mois. Oui. Non, jusqu'à la fin de l'année. Non, donc, non, en fait, non, non, pas ça, 10 centimes. 2 mois pour l'instant. Non, et 10 centimes en novembre. 10 centimes en novembre. Donc, moi, j'ai pas demandé à la pile vous, parce qu'il faut quand même avancer pour ceux qui regardent. C'est qu'est-ce qu'on fait en novembre, puisque le prix mondial du pétrole ne baisse pas et que l'OPEP a annoncé qu'il n'augmenterait pas sa production en octobre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en novembre ? Eh bien, écoutez, on va avoir un débat sur le budget tous ensemble à l'Assemblée nationale. Vous y participerez, j'y participerai. Ça, c'est pour 2023. On a déjà des engagements jusque la fin de l'année. On a un engagement sur le bouclier tarifaire et un engagement aussi de notre gouvernement sur la protection des plus modestes pour la hausse du prix d'énergie qui risque de continuer l'année prochaine. Et puis, moi, je parle aux habitants de ma circonscription, à Lille, à Marc-en-Barœul, à Tourcoing, quand on fait le pain à la pompe depuis quelques jours et qu'on a un plein où le litre est à 1,60, 1,65, j'ai vu à Amiens en arrivant 1,68 pour l'essence, eh bien on voit déjà la différence chaque semaine sur le porte-monnaie, sauf quand on roule beaucoup. Donc à un moment, toujours critiquer tout ce qui va dans le bon sens, alors, ne fait pas avancer ce que les Français nous demandent. Très bien, donc on va avancer dans l'émission à propos des transports. Jean-Philippe Tanguy, s'il vous plaît, donc des transports toujours, dans le cadre de cette nouvelle formule de Dimanche en politique, nous vous proposons un retour sur des archives. C'était en septembre 1997, il y a de cela 25 ans déjà, on évoquait la difficulté des transports et du climat et l'omniprésence de la voiture. Écoutez les propositions faites à l'époque, deux propositions qui vont sûrement vous dire quelque chose. Écoutez. Pour lutter contre l'invasion des villes par les voitures, deux projets sont à l'étude. Le VIP, véhicule interactif partagé, qui pourrait être testé à Lille ou à Dunkerque. Le principe est celui d'un caddie de supermarché appliqué à des véhicules propres, électriques ou au gaz, en libre service dans les centres-villes. Mais le projet le plus avancé est le covoiturage. Objectif ? La mise en place d'une centrale de réservation en un accord avec la communauté urbaine de Lille. Cela veut dire que très vite, on va pouvoir lancer le covoiturage dans notre région. Alors, le speedboot, on l'entend, donc voiture électrique, plateforme pour le covoiturage, c'est Blablacar d'aujourd'hui, en gros donc c'est du privé. Comment expliquer un tel retard de la puissance publique qui ne s'est pas emparée justement de ce dont on parlait déjà il y a 25 ans, c'est-à-dire... On parle dans notre région, effectivement, et dans notre métropole lilloise, en lien avec le bassin minier et le littoral, effectivement, le retard dans les transports en commun est lié à des décisions politiques structurantes qui n'ont pas été prises. À la métropole européenne de Lille, on est une des seules métropoles en France qui ne dispose pas de tramway, et on a voté une disposition pour mettre en place un tramway qui verra le jour, si tout va bien, dans 10 ou 15 ans. On a vu par contre des métropoles comme celle de Dunkerque instaurer le bus gratuit de façon très innovante, et on a vu que ça augmente la consommation, enfin la mobilité et le transfert de la voiture vers le bus, notamment pour des familles qui n'ont pas forcément un abonnement et où c'est occasionnel. Donc tout effort devra continuer à être fait, et nous, ce que nous faisons au niveau national, c'est accompagner les mobilités durables, notamment auprès des employeurs. Hugo Bernalici, donc ces voitures électriques entre les mains, on va dire, de la puissance publique, c'est la solution. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au sein de la France Insoumise ? C'est clair que nous avons une préférence pour le service public, pour gérer ces choses d'intérêt général et collectif. Et on sort d'un cycle politique où, sur la question des transports, c'est le libéralisme qui a prédominé, c'est-à-dire pour les métropoles, les délégations de services publics, les externalisations à tout va, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, les bus Macron,
Macron qui ont tout démembré, désorganisé pour faire au moins cher et faire des effets de marché. Alors dans ce domaine. Et donc il faut un grand service public des transports en commun dans le pays qui puisse aider les collectivités à développer les transports publics. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez l'État qui demande aux collectivités de ne pas trop dépenser, pas trop investir, pas trop s'endetter, et en même temps on leur dit « ah oui, vous n'avez pas assez développé les transports ». C'est l'État qui aide beaucoup les transports publics dans les métropoles, vous le savez là, il y a eu 123 millions d'euros sur le transport public en métropole lilloise, il y a des crédits d'État tous les ans sur le transport régional également aux côtés des régions. Je suis content d'apprendre que sur la métropole, il n'y a pas de tramway, mais les gens qui le prennent tous les jours le découvriront qu'on n'est pas assez, ça c'est votre point de vue. Juste une réaction de Jean-Philippe Tanguy pour le RN sur cet archive qu'on vient de regarder. Comment expliquer ce retard ? Parce que, attendez, il faut un service public fort et le train doit jouer un rôle prédominant là-dedans. Or, ils ont tout cassé, ils ont ouvert à la concurrence, ça coûte de plus en plus cher, ça devient n'importe quoi. Jean-Philippe Tanguy, sur les transports alternatifs. Donc, c'est pas un problème, mais alors, en l'occurrence, ça n'a pas de lien puisqu'elle n'est pas encore mise en place dans la région. Mais écoutez, le problème principal là, parce que c'est aussi des problèmes de fond, c'est aussi que depuis 20 ans, on a continué à concentrer les activités dans les métropoles, en particulier à Lille, on a fusionné les régions. Donc aussi, le problème, c'est aussi un puits sans fond. À force de mettre toujours les mêmes activités dans les mêmes endroits, de concentrer les habitants, les richesses, les réseaux de transport sont saturés. Et donc, tout ce que vous mettez coûte de plus en plus cher et n'est pas efficace. C'est pour ça que nous, on veut rééquilibrer le territoire, en particulier en Picardie. Et deuxième raison, pourquoi le covoiturage ne peut pas marcher ? Moi, j'ai 220 communes sur ma circonscription. Ma collègue Yaël en a le même nombre. Nos collègues des autres circonscriptions de Picardie, ce sont des territoires ruraux. Et là, on a besoin d'une voiture individuelle. On avait proposé les biocarburants. Quel retard on a pris dans les biocarburants ? Alors on va donc regarder donc toujours dans les nouveautés hein, de dimanche en politique pour cette rentrée 24 heures avec un élu, Michaël Poyon, est le maire du village d'Héricourt, situé à la limite du Pas-de-Calais du département de la Somme, dans cette commune de 100 habitants, donc située au cœur des Hauts-de-France. Il doit gérer les gros dossiers très techniques comme le font les grandes villes. Reportage de Jean-Luc Manant avec Lucie Carbajal qui l'ont suivi. Sa journée de maire, Michaël Poyon la commence par une réunion du PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural. 172 maires sont convoqués. On entre là dans une mécanique d'une incroyable complexité, plutôt indigeste. Le PETR réunit deux communautés de communes du Pas-de-Calais où figure une commune du département voisin de la Somme. C'est le jour de lancement du SCOT. On y définit le plus IH et le plus IHM en suivant les recommandations du SRADET. Toutes ces strates, toute cette mécanique suscite chez Michaël Poyon beaucoup de questions, beaucoup de colère. Des priorités aussi, que ça soit visible pour nos habitants. Je suis en colère sur le fait qu'en fait, collectivement, on a accepté que toutes nos strates, toutes nos collectivités, là, toutes celles-là, tout ce fonctionnement-là, amène à produire plus de la norme que de l'action. Et on l'a accepté, on l'a inclus, donc on trouve normal de faire une espèce de planif là sur des années, sans pouvoir agir concrètement et urgemment. Et c'est ça qui me met en colère, c'est de me dire, mais pourquoi on a accepté collectivement tout ce truc ? Parfois, je me demande si justement ça permet aussi pas d'éloigner un peu le citoyen, c'est-à-dire de se dire, bon, bah, entre nous, ce sera beaucoup plus facile à décider pour les autres. Là où Michaël Poyon se sent vraiment utile, c'est dans son village, Héricourt, trois rues, une centaine d'habitants. Comme on a touché une partie des subventions, on va pouvoir payer en partie la commande du four. En début d'après-midi, il est sur le chantier d'un futur four à pain, un projet local mis en œuvre en quelques mois. Quand on veut agir au service des habitants, c'est compliqué, vous l'avez vu ce matin. Ce matin, ça demande une énergie de dingue d'essayer de comprendre déjà ce fonctionnement, ce schéma, et puis d'essayer d'y agir à l'intérieur. Là, ici, j'ai l'impression, finalement, au regard des enjeux qui ont été posés ce matin, c'est-à-dire le changement climatique, le prix de l'énergie, la flambée des matières premières et donc de tout ce que les gens ont besoin au quotidien, j'ai l'impression qu'on va y amener une petite réponse. C'est très modeste, c'est humble, mais au moins, j'ai l'impression de participer à quelque chose. Michaël Poyon a 44 ans, il est agriculteur, père de famille et maire depuis 2014. Une toute petite mairie, certes, mais une très grande envie. C'est cette envie, en fait, encore une fois, de participer à quelque chose d'un petit peu plus grand que soi, en fait. Je ne sais pas si c'est généreux, je ne sais pas si ça se résume à ça, mais en tout cas, participer à quelque chose d'un peu plus grand que soi, ça demande un peu d'humilité. Contrairement, justement, à ce qui me semble être une des caractéristiques des élus, souvent, c'est l'ego. Moi, je trouve que c'est l'humilité qui permet vraiment d'agir. Parce qu'on, voilà, y a une espèce de don de soi, de se dire, bah tiens,
je vais me mettre au service de quelque chose et de quelqu'un, mais aussi, surtout, en fin de compte, finalement, d'un idéal collectif. À la question « Êtes-vous un homme politique ?», Mickaël Poyon répond « Oui, je l'étais avant même d'être maire », dit-il, « car tous nos choix au quotidien sont des actes politiques ». Alors ceci est un exemple, nous vous enverrez tout au long de cette année donc la réaction des élus sur le terrain. Donc allons du côté de l'Assemblée nationale. Donc vous avez donc été élu depuis le mois de juin, qui est donc le principal parti d'opposition dans avec une majorité qui n'a plus la majorité donc absolue. Vous la France insoumise, vous le RN? Écoutez, je vais vous dire le RN, M. Banaïssi vous dira la France insoumise et les Français qui choisiront. Mais si vous voulez, tout ça est un peu puéril, nous verrons bien ce que donne ce mandat, nous verrons bien, c'est les Français qui jugeront les résultats des positions que nous avons fait. Quand on voit le travail admirable d'un maire de terrain qui est bien loin de ses préoccupations politiciennes, on ne peut que le respecter, l'admirer. Et quelle est notre mission à nous, députés? C'est de faire passer ce message et de dire qu'il faut renvoyer le pouvoir, il faut renvoyer l'argent, il faut renvoyer la capacité d'innovation, la capacité de prendre des initiatives vers le terrain. On voit bien qu'on crève de toutes ces normes. Vous avez un nombre de sigles, plus personne ne sait à quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'argent gâché, c'est de l'énergie gâchée. Il faut tout renvoyer vers le RN. Donc ça n'est pas le RN, la France insoumise, vous êtes le principal parti d'opposition. C'est encore nous qui avons affronté Emmanuel Macron à deux tours et M. Banaïssi qui a appelé à voter pour M. Macron. Voilà, ça tout le monde l'a vu. Non, on a appelé à ne pas voter pour vous. Après, les gens ont bien fait comme ils ont voulu. Non, mais je veux être très précis. Pour qui, alors? Mais ça ne vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Mais je peux vous dire un truc, pas pour vous. Voilà. Comme ça, vous avez la réponse. Donc, mais je vous agresse pas. Les gens, vous avez agressé à Spielboot, m'agressez moi. Franchement, faut se calmer. Hein. Franchement, faut se calmer. Eh bien, dis donc, vous avez un petit problème avec les décibels, j'ai l'impression. Donc, les uns des autres. Hugo Bernabé, ce qui est sûr, c'est que la première opposition, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est pas la France insoumise, c'est l'ensemble. Les socialistes, c'est l'opposition. Ça vous gêne aussi ou vous voulez continuer le spectacle? Est-ce que vous pourriez juste aller jusqu'au bout, s'il vous plaît? Est-ce que la France Insoumise, c'est la NUPES? C'est la Nouvelle Union Écologique et Sociale, avec les 151 députés, qui numériquement est la principale opposition à l'Assemblée nationale. Et politiquement, nous sommes aussi la principale opposition, puisque nous avons majoritairement voté contre les projets de loi de la Macronie, à la différence du Rassemblement National, qui veut jouer une autre posture. Bon, c'est leur problème, ça les regarde, ils s'en débrouilleront avec leurs électrices et leurs électeurs. Moi, ce que je sais, c'est que nous ne pouvions que nous opposer à un texte sur le pouvoir d'achat qui fait qu'aujourd'hui on a appris, enfin la semaine dernière on a appris que la France c'était la baisse de revenus la plus grande de toute l'OCDE, 1,9% de baisse des revenus des Français. Donc voilà, nous ne pouvons pas nous associer à ce genre de proposition, nous sommes l'opposition et il faudra compter sur nous effectivement. Alors, pour nous opposer. Violette Spielboot, est-ce que donc aujourd'hui vous devez composer donc avec ces partis? C'était moins le cas, vous n'étiez pas vous élu, mais comment les choses vont se passer? Est-ce que vous comptez davantage sur le RN comme ça a été le cas pour le pouvoir d'achat ou la France insoumise? Comment allez-vous agir durant cette mandature? Alors, on va agir avec ce que nous ont demandé les Français. Quand ils ont voté pour cette assemblée composite sans majorité absolue, avec une majorité relative, ils ont voulu être mieux représentés au Parlement pour que leur voix soit entendue. Et le témoignage tout à l'heure d'un Amiénois qui dit on veut plus d'écoute et de dialogue, eh bien, c'est le changement de méthode qu'on incarne aujourd'hui. Donc, comment on fait? Sur chacun des textes, on a un dialogue, on se parle, y compris avec nos oppositions. On ne fait pas de négociation avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche, mais on entend, on écoute. Et le Conseil national de la refondation, auquel nos oppositions aujourd'hui ne veulent pas participer, c'est pourtant un outil qui a été promis aux Français pour travailler en amont des projets de loi avec les associations, la société civile et les élus locaux comme ce maire qui ont besoin de faire entendre leur voix au national. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Donc c'est la fin de ce débat, de cette première émission de la saison. Merci à vous d'y avoir participé.